bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un Mystery Box Challenge. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs boîtes devant nous, de différentes tailles, avec des différents contenus. En haut des boîtes, on a deux buzzers. Les buzzers nous servent pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la boîte. Par exemple, il y en aura un qui va nous dire d'ouvrir la boîte et on gagnera le contenu. Et l'autre va nous dire de la détruire. Voici des enveloppes qui vont décider quelle boîte on va prendre. Donc par exemple, je prends cette enveloppe et c'est écrit le chiffre numéro 2. Je devrais prendre la boîte numéro 2. Shifumi. Ok, vas-y. Retourne-toi, tourne. Choisis. La pêche. Ok. Et c'est le numéro 6. C'est où le numéro 6? Mais cherche-le. Oh, c'est le 6, il a l'air intéressant en plus. J'ai vu? Celui-là. Détruire. Oh non, vas-y, moi je voulais voir ça, savoir qu'est-ce que c'était. Bah quand tu vas détruire, tu vas savoir, mais c'est juste que tu pourras rien faire avec le contenu dedans. Ah, j'ai peur, imagine, c'est un truc bien. Donc voici ma boîte et des enveloppes où c'est marqué dedans quel objet je devrais prendre pour détruire ma boîte. Donc je prends celui-ci. Avec un marteau. Marteau. Oh ouais, en plus je commence à stresser parce que imagine, c'est un truc bien. C'est un peu léger, on va dire. Oh, je suis à beaucoup de trucs. Vas-y, un marteau. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Top. Je vois déjà quelque chose d'intéressant, j'ai un peu de la peine. Bon, c'est bon, je l'ai détruit, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça se trouve, il y a quelque chose qui n'est pas cassé. C'est un Lego. Il y a deux trucs, hein. Elle a transpercé avec la boîte d'en dessous. Ah, il y a un autre truc. Je pense que le Lego, il est encore en vie, c'est juste la boîte. Donc, de 1, t'as un Lego, là. Oh, ils sont encore en vie. C'est alors, t'as des Lego, c'est ça? Ouais. Et après? Ah ouais, j'ai un truc de Barbie. Montre. Et elle est cassée. Et elle est cassée. C'est un miroir, hein. Oh, mais c'était pour le téléphone, on aurait pu l'utiliser pour faire des TikTok. Ah, tu l'as cassé. Je peux sortir celui-ci? Non, donne du slime. Et du slime. Bon, ça, c'est impossible de le casser, c'est juste la boîte que j'ai cassée. Ah, trop, ça fait longtemps en plus. Ah ouais, ça fait longtemps. Il est trop beau. Et amène-la, t'as un autre truc. Regardez. J'adore les couleurs. Oh, le Pop Pichu. Et maintenant, il est trop beau. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Un chien. Et il est super dur, je crois que tu peux même pas le casser. Ouais, ça aussi, je pense pas qu'on peut le casser. Oh, regardez. Bon. Voilà. Oh. Ah, il est trop ravoli. Bon, c'est un anti-stress, mais regardez, il est trop mignon. Bon, au moins, j'ai de la chance, j'ai classé qu'un truc. Qui est la lampe pour les TikTok, qui est super important. Oui, c'est pour mettre sur le téléphone. J'espère que la prochaine fois j'aurai un buzzer pour pas détruire mais ouvrir. Bah comme ça tu casses aucun truc, mais au moins là il y a le slime.
Où j'ai que là. Et les Lego qui ont survécu. Et surtout le chien. Il est où le chien? Ah, en vrai, cette boîte elle était bien, non? T'as eu des slides, t'as eu des Lego, t'as eu des jouets en fait, c'est trop bien. Par contre, l'anti-stress il est trop bien. Si vous aimez bien ce challenge, likez cette vidéo. Deuxième round, c'est à mon tour. Allez, choisis. Voilà. C'est le chiffre 3. Alors, là il y a les 1. Et 3, oui. J'ai vu que t'as. Oh, il est super léger par contre. Il est léger? Il y a rien dedans. Il y a encore des Lego en fait. Je vais choisir ce buzzer. Détruire. Quoi? Voici, il faut que je détruise. Oh là, je voulais l'ouvrir. En plus, c'est un truc léger donc je pense pas que ça va se casser, mais on va voir. Du coup, là, je dois choisir l'enveloppe et je vais choisir. Et c'est... Réponds, ouvrir la feuille. Cutter. En vrai, ça va, c'est bien. C'est comme si j'ouvrais avec les mains. Il faudra pas que je frappe un casque comme ça. Il faudra juste que j'ouvre. Ben non, faut le détruire. Ah, il faut le frapper avec aussi. Ben oui. Je pense qu'il fallait le couper. Oh là là. Ouais, le couper comme un gâteau, quoi. Je pense qu'il fallait juste l'ouvrir comme ça. Clac, et là, je peux ouvrir normalement. Je pense que je vais le couper en moitié. Un gâteau comme ça. Je vais faire tout le tour. C'était... Ah, du polystyrène. J'ai rien dedans. Bon, je cherche peut-être. Y'a rien. Oh non, c'est nul! Ah ben t'as rien, t'as pas eu de chance. Heureusement, j'ai eu pour cette boîte détruire. Et pas juste ouvrir, parce que non, j'aurais ouvert pour rien. Petit rappel, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez. Parce que pour nous, c'est important. Alors, il nous reste 4 boîtes dans 4 enveloppes. Et là, c'est à ton tour de choisir. Tiens. Choisis celle-là. C'est... Le numéro... R. Et c'est celui-là. Ah oui. Par contre, il est plus gros que l'autre que j'avais. Ah, il est lourd aussi. Ah ouais, pas faux. Donc, j'espère que là, je pourrai l'ouvrir parce que j'aime trop les trucs gros. Ça a l'air intéressant. Ok, j'ai appuyé sur celui-là. Ouvrir. Let's go. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que toi tu n'utilises pas. Alors, une gourde. Non. C'est quoi? C'est un mini blender sans fil. Bah, tu peux faire des smoothies, Amélia, sans le mettre à la prise. Voilà. C'est tout. Ah, c'est que des trucs aménagés. Oh là là, mais ça. Ça, tu peux mettre des mouchoirs. Je sais pas. Ça, c'est. Ah, attends! Ça, c'est pour mettre les produits. Donc, tu l'accroches et tu mets les produits dedans. C'est pour mettre les rouleaux de papier. Voilà. Des gants pour se laver. Des pinces. Oh mince. Oh, pour mettre mes feutres. Oh, c'est des trucs pour la maison. La seule chose qui m'est utile, c'est ça. De la peinture. Bah, ça aussi, c'est utile. Hein. Ça, c'est pour couper les avocats. Bon, moi, j'aime pas. Du poivre. Là, pour mettre les cure-dents. Mais ça, c'est pour ranger les pinceaux pour le maquillage. Ah, merci! Mais qu'est-ce que tu te maquilles pas? Merci! Ça, c'est pour enlever. Ah, ça, c'est trop bien. J'en ai besoin de ma. Ça, c'est pour enlever la poussière sur vos vêtements. Non, c'est pour enlever les poils. C'est pour enlever les poils sur vos vêtements. Et ça, je ne sais pas. En fait, c'est un truc pour les gâteaux. Et je ne sais pas. Je crois que ça, c'était sur un des objets. Je pense que c'est... Ouais, c'est...
Tadam! Bah, Amélia, du coup, tu peux déménager de cette maison et, déménager dans ta propre maison. Regarde, on a en fait déjà tout acheté. Au revoir. Alors, j'aimerais l'ouvrir parce que ça a l'air grave intéressant. Bon, donc là, on peut faire des smoothies, c'est un blender. Ça a l'air trop bien. Je pourrais faire mes smoothies. Donc, il ne reste plus que 3 boîtes. Vas-y, choisis ton enveloppe. Celle-ci. 2. Qui est... Attendez, je vais deviner. Celle-ci. Et je vais choisir... Ouvrir. Ouvrir. Ouais, ouvrir. J'espère qu'il y a un bon truc. Hop là. Non, non, alors là, non. Regardez. Encore une boîte. Alors, je pensais qu'il y avait encore une boîte et encore une boîte. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Je vais ouvrir par ce petit truc. Netui carte CD, micro CD. C'est bien, mais j'ai pas de micro de CD. Attendez, j'ouvre. Voilà, et c'est comme si c'était un petit livre et tu mets tes cartes. CD. Bon, j'en ai pas, mais je vais donner ça à ma mère. Ce sera un petit cadeau. Alors, j'ai... Ah, un miroir! C'est un miroir avec des LED en plus autour. Trop bien. Ici, ça zoome en 2 fois et là, 5 fois. Croate! J'espère qu'il est bien grand comme ça. Non, je rigole comme ça, moi. Du coup, ça, c'est pour moi. Après, je vais prendre la grande boîte. Donc, c'est un chargeur sans mettre dans la prise. Donc, c'est 3 en 1. Tu peux charger ton téléphone en même temps ta Apple Watch et en même temps tes AirPods. Du coup, moi j'ai que l'iPhone et les AirPods. Il manque juste l'Apple Watch. Mais c'est parfait, je pourrais quand même l'utiliser. En fait, dans ma chambre, j'ai 2 prises. Il y en a qu'une seule qui est à côté de mon lit. Et bien sûr, avant de dormir, je regarde mon téléphone. Et j'ai trop la flemme de me lever pour aller dans la prise qui est un peu plus loin. Du coup, je reste dans mon lit et je me branche. Mon chargeur dans la prise qui est à côté de mon lit et je mets mon téléphone ou alors mes AirPods et je peux pas allumer les deux en même temps. Du coup maintenant là c'est parfait, je ne devrais pas lever mon lit et je pourrais mettre les deux chargés à côté de mon lit. Moi j'ai compris, dedans il n'y a que des trucs technologiques. Du coup là c'est un chargeur, voilà, je pourrais l'utiliser. Là c'est, donc ça c'est un rasoir anti peluche, genre quand t'as des nouveaux pulls et que t'as des petites boules de laine, tu peux passer dessus, ça sera les bien. Et ça, je sais pas du tout c'est quoi. C'est un chargeur. Pour charger les piles. C'est un chargeur. Pour les piles. Et c'est bon. Moi, pas besoin de l'acheter. C'est fini. Donc en fait, je vais tout utiliser. Quand il n'y a plus de batterie dans la télécommande, j'utilise. Ça, c'est bien pour mes nouveaux pulls. Ça, c'est bien pour avoir cherché un peu de mon lit. Donc c'est parfait, j'aime trop cette boîte. Heureusement que je ne l'ai pas cassée. Alors là, il reste que 2 enveloppes, Amélia. Choisis. Celui-là. Ok. Et c'est le 5. Le 5. Et c'est 6. Donc cette boîte, c'est déjà la mienne. Et elle est super lourde. Bon, on va voir ça dans le prochain round. D'abord, ça, Amélia. J'aimerais trop l'ouvrir. Parce qu'il est aussi un peu lourd. Un peu lourd. Du coup, tu penses qu'il y a beaucoup de trucs? Celui-ci. Détruire. Ah, c'est bon, détruire. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Choisis. Donc, je choisis celui-là. C'est un tournevis. Tournevis. Ah, ça va. Non, non, tu vas faire que des petits trous. Ok. C'est super dur. T'as vu? Hop là. Je sais que je suis en train de casser des trucs, donc j'ai pas trop envie. On fait de ce côté et après c'est bon.
C'est bon. Oh, c'était quoi ça? Alors regardez comment je l'ai fait et je pense qu'il y a rien. Ah si. Il y a un trou. J'ai dit qu'il n'y aurait pas trou, mais en fait il y a un trou. Là il y a un masque, encore un masque. J'ai fait un trou. Dans le masque? Ouais, regardez. Tiens, le doré. Attends, j'ai pas un trou. Le doré. Oh, il y a des paillettes. Bon, si, c'est pas, il n'a pas été. Il y avait pas trou. Donc ça. Il y a des paillettes. C'est des lingettes. Donc là il y a des pinces. Puis après il y a un bandeau pour tenir nos cheveux. Du gel, des chouchous, des colorants pour les cheveux, des chouchous, une brosse, encore un colorant de cheveux, un peigne, encore des lingettes, un aloe vera, encore un œuf pour tenir ses cheveux, mais cette fois-ci c'est différent. Là il y a un nœud, et là, alors que là il y a des oreilles de lapin. C'est un cochon. Alors ça c'est un rouleau pour faire un massage pour le visage. Et puis... Ouais, il y a des pinceaux. Pourquoi tu dis ouais? Parce que c'est pour moi. Ben non, c'est moi qui l'a gagné. Je te maquille pas. C'est moi qui a gagné. Mais bon, regardez, plein de trous. Plein de trous. Donc... Ok, ça a rien fait. Ça a rien fait. Donc c'est magnifique. Merci. Tu veux quoi? Bah alors on échange. Avec quoi? Mais t'as un pack. T'as une offre? Tiens. Alors que non. Je suis contente, mais bon, j'ai quand même plein de trous. Mais bon, j'ai plein de trucs. Ça a refait ma journée. Voici la boîte qui m'appartient. Du coup, je choisis ce buzzer. Détruire. Oh non, il est lourd en plus, je pense qu'il y a beaucoup de trucs dedans. Il faut détruire avec quoi? Je vais choisir ça avec l'enveloppe. Je prends celui-ci. Si de jardin. Je vais le couper comme ça en moitié. J'entends plus rien. Alors, j'ai un casque et dedans, il y a un truc pour... Pour limiter le bruit, donc s'il y a un fort bruit, je vais juste entendre moins que vous. Et du coup, je crie parce que je comprends pas comment je parle en fait. J'entends plus rien, j'entends même plus rien. Un bonbon sortir. Du coup, waouh, j'ai plein de bonbons. Donc ma boîte elle est remplie de. Alors là, je pense que c'est la meilleure boîte qu'on a eue aujourd'hui. Alors j'ai des chewing-gums Mentos. Là, oh j'aime trop. C'est du nougat. Là j'ai des bonbons, petits fruits encore en forme de pingouin. Encore du nougat. Ah oh, j'aime trop le nougat. C'est trop bon. Après j'ai des chewing-gums comme ça, ah j'aime trop, chewing-gum, alors... Oh il y a mangue, il y a un nouveau goût. Ah j'ai jamais goûté mangue. Est-ce que vous avez déjà goûté les nouveaux goûts des chewing-gum? Donc il y a mango, cerise et framboise. Moi j'ai jamais goûté donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Je pense que celui que tout le monde a déjà goûté c'est le tutti. Ça a l'air grave bon les nouveaux. Oui moi aussi, j'ai trop envie de goûter la framboise. Moi mon fruit préféré c'est la framboise. Non moi c'est la mangue. Alors après j'ai deux boules de mammouth. Là. Les Skittles sont blancs. Je connais pas du tout, mais trois de goûter. En fait, je pense qu'il faut deviner les goûts. Voilà. Après j'ai aussi des bonbons normaux, vitamine B. Voilà, c'est bien. B6. Des chewing-gums et une grande boîte avec plein de bonbons Pokémon. Voilà, que j'ai cassé. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est le seul truc que j'ai cassé. Après j'ai cassé celle-ci aussi, ouais. Ça t'a failli casser.
celui-ci failli casser. Et la boîte cassée. Et le dernier, c'est un Kinder. Ça j'aime trop. Trop bon. Donc, la meilleure boîte, je pense que dans ce challenge, c'est la mienne. Celle-ci à la fin. Et toi? Ouais. Du coup, c'est la fin de ce challenge. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie. Moi, je me suis bien amusée à casser les boîtes et à découvrir ce qu'il y avait dedans. On dirait un peu les Mystery Box qu'on faisait à l'ancienne. Et voilà, on fait des gros bisous. Et on vous aime.